bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite déco de table pour mettre une bougie au milieu. Alors c'est un, j'avais acheté ça, c'est des flans là qu'on passe au four. Donc c'est un pot en céramique et je me suis dit, bah, vu que j'en ai que deux, je me suis dit, bah, je vais faire une déco de Noël avec. Et du coup là, j'ai du grand ruban. Alors, je vais le coller comme ça, là, tout autour. Comme ça. Hop. Non, je ne vais pas faire l'intérieur. Je ne pense pas faire l'intérieur. Ouais, je vais juste le coller comme ça. Parce que faire l'intérieur, j'ai peur que ça brûle après. Comme ça fera rouge et blanc. Je vais le plier en deux. Voilà. C'est du ruban que je ne me sers pas. J'ai pris le pistolet à colle en espérant de ne pas me brûler les doigts et que ça marche surtout. Là. Voilà, je vais bien me mettre là-haut. Est-ce que ça le colle? Là. J'espère que mon idée va vous plaire. Est-ce qu'il veut bien marcher, lui? Ça m'arrangerait. Hop. J'ai mis mon plateau pour pas abîmer ma plaque en dessous. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Là, mon ciseau qui doit être par là. Autour, j'ai un morceau de ruban comme ça, doré. Je vais faire le tour avec. Donc. Là, que je le mette bien à l'endroit. Ça, là, comme ça. Je vais démarrer là. J'essaye d'être bien droite. J'aime bien, ça brille. Voilà, comme ça, je pense que tout le monde peut le faire. Après, il suffit de trouver quelque chose de rond et puis voilà, hein.
Voilà. Alors là, je vais faire une petite boucle, enfin une petite boucle. Juste ça, là, comme ça. Je vais faire hop, un petit nœud. Je sais pas si je fais comme ça et comme ça. Là, là. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'au milieu, là, ça là. Je vais faire ça. Donc, je vais mettre un point de colle là. Si elle veut bien couler. Là. Ça fait des fils de partout. Donc celui-là, là, et celui-là, comme ça. Là, je vais faire à peu près la même grandeur. Je crois qu'il est plus petit celui-là. Là. Ça donne ça. Et là, j'ai des petites feuilles de houx et je vais les coller comme ça. Oh, là, comme ça par-dessus. Faut que ça colle mes rubans par contre là. Là. Donc j'en mets une de travers là, une autre de ce côté. Là, et une troisième comme ça. Ou pas. Ça, je vais couper. Et après, j'y brûlerai. Là. Et là, j'ai du houx. Parce que pour moi, le houx représente Noël. Donc, alors, je vais juste récupérer comme ça. Voilà. Hop. Ça évitera que je me brûle. Faut attendre que ça sèche un peu. Voilà ce qui donne ça. Tout de suite, ça fait plus joli. Je vais attendre 2 minutes que ça sèche bien. Donc voilà déjà pour le tour. Ensuite, j'ai des pommes de pin comme ça, elles sont pas petites,
Elles sont petites, mais pas aussi petites que celles que Pam m'a amenées. Et du coup, je vais en mettre quelques-unes comme ça sur le bord. Je vais faire ça. Les pommes de pin, on les ramasse dans la forêt. C'est pratique. Enfin, dans les bois, quoi. Hop, ce qui donne ça. Ensuite, j'ai des petites boules comme ça. Je vais en mettre déjà une ici et une par là. Parce que sinon, j'ai. Je vais. Ouais. Deux et trois. J'ai des boules comme ça. Voilà, je vais en mettre comme ça. Je vais en mettre deux. Après, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Là. J'ai une boule un peu jaune, je vais la mettre là au milieu. C'est vraiment le truc, les décos comme ça, j'adore. Et là. J'ai peur que ça fasse un peu gros, ça. Je vais mettre ça. Voilà, je fais avec ce que j'ai. Là, est-ce qu'elle va pas rentrer celle-là? Je vais mettre une petite boule comme ça là. Hop, non. Voilà, c'est. Hop, je mets celle-là et là je remets ma petite boule. Hop. J'ai des fils de partout. Voilà, c'est plus joli. Je préfère. Et là, je vais y mettre les baies comme ça. Après, moi, j'aime bien quand, voilà, c'est, ça fait nature. Hop. Voilà pour
le dessus, il y a plein de fils. Le dessus de mon pot, le devant, le côté, et on va faire l'intérieur. Alors moi, je vais juste mettre de la colle et de la neige. J'ai plein de neige là, artificielle, hein, qu'on avait acheté, enfin, qui vient de... Par contre, je pense pas que je vais mettre cette colle là. J'ai peur que ça tienne pas avec ça. Je vais prendre ma colle. Peut-être plus, je sais pas. Normalement, je prends de la colle blanche. Je vais prendre celle-là. De la colle blanche un peu... un peu liquide. Je vois pas ce que je fais. Hop. Alors, j'en ai mis sur les bords. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment là, je vais pas la coller parce qu'elle s'allume. Je vais juste la poser comme ça. Après, vous pouvez mettre une autre, d'autres, comment, d'autres bougies. Moi, j'ai fait en sorte que ça puisse pas brûler. Puis je trouve que maintenant, étant donné que, hop, je mets bien de la neige. Voilà. Et ma neige, pour qu'elle tienne, normalement, j'y mets, comment que ça s'appelle, de la colle blanche. Je mets la colle blanche et j'y laisse tout tomber et normalement, ça bouge plus. Hop, et ben voilà, là, je vais juste mettre quelques étoiles comme ça. Et voilà pour ma petite déco de table. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées surtout. Voilà. Moi, j'adore faire ces décos. Voilà pour ma petite déco de table. Hop là. Bon, je suis désolée, c'est un peu le chantier. Mais bon, non, mais c'est au moins pour vous donner une idée. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées. Voilà, il suffit d'un petit ustensile un peu haut avec une petite bordure. Et tout de suite, on peut faire des décos super sympas. Donc, voilà, hop. J'espère que ma déco vous aura plu, vous donnera des idées. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.